Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Pourquoi elle n'est pas tirée de l'étude? Pas tirée de l'étude, mais il a peur pour le canard et que volaille. Ah bon? Mais il est beau! Et l'étude est fine noire, regarde ça! C'est pas joli cette année! Viens dans mon bras! Alors, tu l'as dit, tu fais quoi là-bas? Tu es mon doudou! Tombe là, Nifomi! Oh, tombe dans Nifomi? Ouais! Mais sors dans Nifomi! Mon Dieu Seigneur Marie-Joseph! C'est une expression créole, même ça, hein? Et en plus, vous avez les chis là! Tu m'aimes mon gâté! T'as pas trouvé pour le temps! Tu m'aimes mon poulet! Oulé mon zézé! Tu m'aimes mon doudou! Tu m'aimes mon gâté! Tu m'aimes mon poulet! Famila Gogotaï! Ah! Ah Marie, comment on dit ça ou Famila Gogotaï? Ben, Famila Gogotaï! Famila Gogotaï! Elle a dit qu'il faut vider le tir de ça. Elle a dit qu'il faut vider. C'est où la vie la fois, mon père, les chips. Non, mais donc, il y en avait plus. Toi, il monte les chips. Ah, ouais. Voilà. C'est bienvenue chez vous. Oui, parce que maintenant il faut dire bienvenue chez vous parce que en fait c'est nous qui viennent chez autres, c'est pas autres qui viennent chez nous. Autres les chez autres, sauf si vous savez regarder les cas un camarade, cas une famille comme ça. Et ben là on dit une bonne famille. Et ben à moi mis bienvenue chez vous parce que quand il y a l'Austral puis mon TV aussi les bienvenus chez vous. En tout cas bienvenue chez autres. En tout cas, nous l'aider dans cette émission. Voilà, mais les fait un peu comme Freedom, un peu dit en fait, elle m'a dit en tout cas bon paye moi, hein, mais elle est pas bon fort hein, parce que nous l'aider comme ça, nous là. Hein. Fais un petit coucou à François derrière la caméra là-bas parce que c'est lui qui fait ce travail. Là, il m'a obligé tout en moi pour cause d'un coup pour faire mon introduction parce que l'introduction il fait toujours avant l'émission et non pas comme c'est certaines émissions, il fait l'introduction après l'émission là, hein, parce que sinon on a tout faux. Au fin fait l'émission, après ça fait une introduction. Donc vous connaissez tout. Hein. Nous, je vais pas voler chez nous. Ah non, je vais pas voler chez nous. Hein. Chez nous, l'émission elle est en live. En direct, pas trop en direct, mais disons que nous connaissons pas trop comment ça se passait. Et c'est ça qui fait le charme de toutes ces émissions de cuisine plaisir créole. Parce que le plaisir d'un créole, c'est quand il arrive chez un camarade, quand il arrive chez la famille, ben, il ne connaît pas à quoi s'attendre. Ce soir, nous connaissons, nous savons à quoi ça nous a mangé. Parce qu'il paraît qu'ils avoir de la pintade, il paraît qu'ils avoir un tartare de thon. Tartare de thon, c'est moi qui ça fait, mais la pintade, c'est Marie, ça fait. Et pareil, Marie, c'est notre vrai Marie. C'est pas Marie que Nena dans certaines radios, ben, elle appelle Marie à tout le monde parce qu'il veut garder l'anonymat. Nous, Marie, il ne veut pas garder son anonymat. Lui. Marie, il fait tout à la créole, il danse créole, il habille créole, il cause créole, il chante créole et il cuisine créole. Et ce soir, sa cuisine créole plus autre. Mais peut-être mieux avant, ça m'a un petit peu trop parce que la vie des trois affaires, elle n'est pas très créole. Hein. Mais en fait, nous va voir à soir. Hein. En tout cas, ce soir, nous avons pas mal de personnes qui seront là avec nous. Et pour commencer, bien entendu, François, derrière la caméra, comme d'habitude, il est là. Mais lui aussi, lui, vous connaissez lui, hein, lui, vraiment lui. Ben, et lui, deuxième caméraman qui sera aussi. Et puis Coco, bien entendu, comme tout ça, comme toutes les semaines, la plupart des semaines. Julie, qui vient tout à l'heure parce que Julie travaille, il ressort un petit peu tard, donc elle sort de travail. Et puis, il me fait tout l'embouteillage. Là, il vient voir à nous après tout à l'heure, mais il va prendre le temps pour changer à lui, mais il n'est pas grave, hein, il va arriver quand il va arriver. Hein. Et bien, après nous, il y a aussi des invités. Donc, Marie et Hervé, qu'ils ont y connaît, puis après Laurédine, la fille de Marie et Hervé. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir ce soir à Mancoupou avec sa femme, je suppose, mais je ne connais pas trop si au cas sa femme sera présente avec nous, Armand Coupou, qui était l'ex-président du club de rugby, hein, de la Réunion, de la Ligue de rugby de la Réunion. Et nous aurons un camarade que Zotti connaît, un artiste, un chanteur, le tombeur de ces dames, on l'appelle. Oui, le tombeur de ces dames, et c'est ni plus ni moins que Jean-Pierre Boyer. Zotti connaît Jean-Pierre Boyer, hein, un grand nom de la chanson réunionnaise, mais aussi un grand nom dans l'équipe de Canal Austral Pibon TV, puisqu'il est souvent là avec nous. Il fait
nous le plaisir souvent de venir avec nous, de raconter un petit peu des histoires. Parce que 40 ans qu'on habite en France, on a des histoires pour raconter. Hein. Mais ne perdez pas le temps, nous ça va. Nassivadji, de l'autre côté, est en joué avec son ballon là-bas. Finalement, il a les Rolletti, finalement, il a fait brûler avec des brûler Picali avec Fourmi là-bas quand il est parti sur Rolletti. Mais ça devient Ouattara. Nous, on repart tout de suite et nous, ça commence la cuisine tranquillement dans un calme bien olympique. Parce que d'habitude, ce n'est pas le cas. Hein. Mais ce soir, nous essayons de faire ça dans un calme olympique. Mais je ne connais pas s'il dit, le mot existe, mais ce n'est pas grave. François, qui était prof depuis des années maintenant à la retraite, hein, il dit, oui, il dit. Ben, s'il dit comme ça, un calme olympique, nous sera ce soir dans un calme olympique, parce que nous ne serons pas très, très nombreux ce soir. Mais nous aurons des gens de choix avec nous, des gens qui ne font pas trop des ordres. Mais peut-être que les autres y aiment des ordres. Et si les autres y aiment des ordres, ben, peut-être qu'il faudra attendre la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas trop des ordres. Hein. Nous retournons dans l'histoire. Comme chocolat, oh t'es Catherine, viens dans mon bras. Tu es même mon doudou, tu es même mon gâté, tu es même mon roulet. C'est quoi cette grande affaire caméra en lunettes de la tête là? C'est pas une caméra ça, c'est un micro. Hein? Il marche bien le micro, hein? Et lui, il cause pas du tout, il est tout le temps. Lui, hein? Lui. Oh, attends, moi, où là, lui? Lui. Non, mais il t'as pas où il a fait une oreille. Ouais, ben, on va faire la cuisine avec Jean-Claude ce soir. Marie va faire des pintades. Jean-Claude va faire. Je sais plus. Tartare de thon. Tartare de thon. Ouais. Voilà, entre habits. Voilà. Allez, on va passer encore une superbe soirée, comme d'habitude, à Canal Austral. Oui, maintenant c'est Canal Austral. Parce que c'était Piment TV avant. Enfin, ça a été Canal Austral. C'est repassé Piment TV. Mais maintenant, à partir du 1er janvier, ça va être Canal Austral. Donc, vous habituez à dire Canal Austral comme avant. François, il faut me comprendre. Moi aussi, je me comprends. Puis moi. Mais à quoi je voulais vous dire? Alors, le patron lui-même, il dit qu'il comprend. Il voulait enregistrer là. Hein, alors. Dis-moi un coup. Pourquoi vous voulez changer le nom encore là? Canal Austral est plus joli. Pourquoi ça veut changer? C'est plus joli. Canal Austral plus joli. Ouais. Bah, moi, je préfère. Mm-hmm. Ça fait plus l'ensemble des îles Canal Austral. Ça, je sais pas. Ça oui, plus, un pas piment. Parce que c'est les oreilles. Ah, si. Oh là là. Les oreilles mangent plus de piment que les créoles. Ah, ah bon ouais. C'est pour ça que le piment a augmenté. Ah bah, hein, c'est parce que les oreilles mangent plus de piment que les créoles. Voilà, hein. Et donc, après c'est aussi parce que là, une grosse demande depuis une année, là, tout le monde disait ouais, on réclame Canal Austral, on veut Canal Austral, on veut Canal voilà. Austral. D'ailleurs sur la route partout les gens disent oui. je veux Canal Austral. Donc du coup nous on a fait le nécessaire pour que Canal Austral revienne. Piment TV est toujours là puisque Canal Austral et Piment TV, comme on dirait en bon latin, in solidum, les deux les solidairement liés. Les deux les ensemble. Les ensemble. Ensemble, voilà. Ensemble. Ensemble, ensemble. Hein. De toute façon, on ne peut pas faire du Canal Austral sans piment. Exactement. Ouais, et je ne connais pas si on pourrait faire du piment sans Canal Austral. Ouais. Nawa, on a essayé à soir, tiens. Bon, allons cuisiner alors. Allez, allons faire cuisine. On va cuisiner soyons parce que Marie est arrivée. Hein? Marie, c'est où qui porte la pièce ce soir? Oui. Hein? Avec, dis-moi un coup, c'est quoi ces deux petits volatiles? C'est là-là. Des pintades tout frits. Pintade. Et il paraît qu'il ne trouve pas pintade, mais il ne veut pas la. Là, dans le sud, il trouve pintade. Il trouve? Ah oui, côté Saint-Joseph, là-bas, on a beaucoup. Ils ont parti Saint-Joseph pour le pintade. Oui. Ah bon? Hein, Laurie, n'est pas avec lui? Oui. Ah bon, on l'a suivi hier? Ah, on suit la quête tout le temps. Hein? C'est ça. Là, pour l'instant, il est encore là, je suis. Après, l'instant, il est encore là. Dans quelques années. Voilà. Elle va plus nous demander rien, elle va plus nous suivre, elle est de son côté. Quand elle va arriver là. Non, on a déjà commencé. Elle a déjà commencé. On est comme un camarade tout seul. Oui, mais. Ça va avoir des problèmes après. Là, papa, maman. Pas dans télé. Mais à chaque fois, maman, il rentre dans le magasin. Maman, il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Ah, comme hier. Comme t'as là. Ah oui, t'as là aussi. Voilà. N'oblige à m'acheter un soulier dans le carrefour. Ça veut dire ça, il y a une fossette. Ah là 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 là. Bon, Marie. Oui. Comment ça fait pintade? Oui. Comment dire ça? Maladie, ou l'est une vraie créole, ou cause créole, ou oui. Vie créole, ou mange créole. Ben oui, mais ça dit comment, mais ça fait ça? Mais ça fait ça à mon manière, à moi. Un pintade aux légumes. Un pintade aux légumes. Voilà. Et ma pas beaucoup de légumes, tiens là, moi. Le légume, c'est un secret, ça. Ah, le légume, c'est un secret. Ah non, les ça ne fait pas la publicité pour la marque. Parce que, tiens là, on a des champignons, hein, des gros champignons, mais ça, c'est moi qui vais faire ce soir. Joli, hein. C'était un petit sauté de champignons avec une petite sauce à l'ail et au persil.
Voilà, une persillade. Hein. Et le thon ici qui est fraîchement découpé, un thon rouge avec de la fleur de sel, un petit peu de poivre dedans, vraiment assaisonné. Moi, c'est façon 4 épices. Créole. Toi, c'est 4 épices dedans. Oui, 4 épices, pas en feuilles, hein, en poudre. Ah bon. Après, du safran, du cumin. Les oignons, l'ail, le thym. Et après, les légumes, vanille après. Ben, elle est bon alors. Ok, alors. Tu files-moi les légumes quand ça sera en train de cuire, là, tu pourras dire les légumes qu'il y a dedans. Ok, ben écoute, nous commençons, hein, parce que le nez de Mounde, il n'y a pas la zone du tout. Coucou, pourquoi pas tu cachettes ce soir, ouais, ou donner un coup de main à lui, parce que lui, il est très occupé ce soir. Exactement. Ou donner un coup de main, hein. Lui écoute dans le casque, il écoute dans le casque. Bien. Hein, voilà. D'accord, alors, hein. Ben lui, il n'est pas trop fatigué à force de déplacer le micro comme ça depuis tard, là, non, ça va. Hein, il n'est pas fatigué, il n'est jamais fatigué, lui. Oh. Hein, parce qu'il a de l'énergie, vu qu'il cause bon pays. Bonne volonté, mais il cause pas bon pays. Hein. François, allons comment c'est alors? Allez, allons. Nous, ça va alors? Allez, allons. Alors, le son. Bon, on y va. Voilà. Il faut pas. J'ai pris l'ail. Oh, bah, ça monte toujours pas. On est quoi? Un et trois? Ben, mais ça commence un petit peu, moi de mon côté, à faire un petit tartare de thon rouge comme ça. Là, hein. Le tartare de thon rouge, vas-y, il faut un couteau qui coupe un peu plus ou moins bien. Et après, il faut couper en petites lamelles ou en petits cubes, mais pas trop trop épais parce qu'après, on a du mal à passer sous les dents après. Hein. Donc, quand tout ça sera coupé, après, on va faire un petit assaisonnement. Et là, avec de la fleur de sel, avec du poivre, avec un petit peu des herbes à l'intérieur et tout ça. Mais là, mais fais pas les façons chinoises avec siave ou quoi que ce soit dedans. Hein. C'est resté une façon un peu plus française, c'est-à-dire bon assaisonnement avec un petit peu des trucs pour relever, comme l'ail par exemple. Et après, à la fin, quand tout le monde est prêt juste pour manger, et bien là, on aura le petit jus de citron dessus. Parce que si vous mettez le jus de citron tout de suite, fait ma céréaline, le thon, ça changeait de couleur. Il ne sera plus un thon rouge, mais il sera un thon blanc. Mm-hmm. Voilà. Donc, du coup, le jus de citron, c'est vraiment au dernier moment qu'il faut le mettre. Hein. C'est exactement comme lorsqu'on fait, je ne sais pas quoi, mais il faut mettre dernier. Mais ne connais pas. Un affaire, il faut mettre dernier. Hein. Donc là, ça coupe à l'air. Hein. Voilà. Comme ça. Donc c'est pour ça que le couteau qui coupe bien là, hein, c'est idéal. Et puis des petites tranches comme ça là, hein, à la limite on pourrait faire du chouchi aussi avec un chouchi. Voilà. Et donc là c'est des petits cubes comme ça. Hein, voilà. Voilà des petits cubes comme ça. Des petits cubes, des petits triangles, des petits ce qu'on veut. Hein. Voilà. Il ne faut pas couper trop trop fin aussi parce que sinon ça va s'écraser. Juste ce qu'il faut. Pour que quand on mange, on sent bien le goût du thon, le goût de la chair du poisson. Voilà. Ben nous retrouvons un petit instant. On a fait une coupe toute. Le bas. Ok. Allez, à tout de suite. Alors. Faut savoir que le thon est bien frais, hein. Et ça, je suis sûr, parce que c'est moi qui étais allé chercher le thon. Donc, il faut prendre un morceau de thon comme ça, de la viande crue, hein. Un peu, goûte. Moi. Il y a quelqu'un qui fait la grimace derrière. Tu vas dire qu'il fait la grimace derrière la caméra. Non. Et puis, c'est bon. Il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur. Et puis, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de maladie dedans. À part que le thon a été élevé, mais comme là, les thons, elles les pêchaient en haute mer. Donc, du coup, c'est un thon qui est. On appelle ça les pélagiques. Et les pélagiques, c'est des poissons qui voyagent. Donc, du coup, ils suivent les courants marins. Et donc, ils ne restent pas comme le saumon à un endroit bien précis où on les lève, on lui donne à manger, des granulats et tout ça. Ce n'est pas comme ça le thon. Hein. En tout cas, pas le thon qui est pêché actuellement ici à La Réunion. Hein. Et là, c'est un thon vraiment qui était pêché ici à La Réunion. Donc, c'est pour ça qu'il est sain. Donc, du coup, on peut manger encore. Hein. Vous avez vu, comme il fait un tartare de thon et que les pas une cuisine créole, mais cause français. Vous savez? Après, quand on fait la cuisine créole, mais cause créole. Au moins, comme ça, tu te demandes, écoute à nous, viens comprendre un petit peu parce qu'il y en a quelqu'un qui comme ça. Monsieur Colin, moi, il y a beaucoup, il garde tous les soirs. Sauf que ma passe 20 ans en France. Et 20 ans en France, là, hein, moi, la cuisine créole, c'était moi. Moi, la revue de La Réunion. Et tous les soirs, à 8h le soir, 20h, mais regarde les autres. Mais mon madame, il veut pas batailler avec moi. Son madame, c'est les oreilles. Mais son madame, il comprend pas. Donc, son madame dit comme ça, comme il comprend pas trop le créole, donc il n'intéresse pas les trop. Et bien, il est habitué, son madame, maintenant, à parler créole. Au moins, comme ça, son madame va comprendre. Et qu'on comprend, on aime. Parce que dans toutes affaires comme ça, il faut comprendre pour aimer. Voilà. Allez.
Et Marie dit, là-bas, attends, comment ça coûte il faut aller voir un petit coup, là, non? Allez, allez voir un petit coup. Oui. Mais bon, allez, moi, je continue, moi. Après, la crise. Marie, à cause ou cause pas comment on travaille, coupe ça comme ben ça. Ben non, mais essayez-moi là, il y a possible que cause, trop ma coupe mon doigt. Ouais, mais vous pouvez pas couper le doigt avec un petit couteau comme ça. Ben oui, j'adore mon petit couteau, ça coupe bien ça. Ça coupe bien ça, petit couteau là. Ben oui. Dis-moi, ouais, ouais. Marie, cause ça ou ça va faire? Ben, mais ça fait un carré pintade aux légumes. Ça, nous fait une dite tout à l'heure. Mais voilà. Là, cause ça fait là. Mais là, on est en train de découper la pintade. Ah, il faut découper. Ah, ben oui, ben non, s'ils mettent entier, c'est un rôti. Ah, d'accord, c'est pas un rôti. Ben non, c'est pas un rôti, c'est un carré. C'est un carré. Voilà. Voilà. Là, maintenant, je dois. J'ai comme ça, comme ça, là. Ah, faut couper tout à l'heure un petit couteau, maintenant on a un gros. Ben non, mais pour le zoo. Mais normal, pour le couper la cuisse, la zèle, ben le petit couteau, ça passe, mais après, pour les os, il faut le gros couteau. Ah, d'accord, alors. Eh, Pète, t'as la magie avec un petit peu de poil dessus, là. Ah, ma fin tirée, t'inquiète pas. Tu tout à l'heure. Ah, oui. Mais bon, alors, parce que le poil pétard n'est pas trop bon, ça, non? Non, ouais. Et même le zoo pétard n'est pas trop bon, parce que ça, s'il coupe comme des lames de rasoir, ça, vous connaît, hein? Ben non, il ne faut pas trop écraser le zoo, il faut faire un coup comme ça, voilà. Là, de manière que le zoo, il coupe, mais il écrase pas. Et Marie, vous connaissez que Madagascar a beaucoup de serpents? Oui. Hein? Et les serpents de Madagascar, c'est des boas aussi, des gros gros serpents. Hein? Et oui. Et ben là, ils mangent pas des pétades. Pourquoi? Pourtant, le pétade à Madagascar, ils vivent en liberté dans les forêts, mm-hmm. Tout ça. Hein? Vous connaissez pourquoi? Parce que quand ils mangent la pétade et qu'ils arrivent dans son corps, ils écrasent la pétade. C'est-à-dire, il faut qu'ils étouffent la pétade oui, pour avoir une bonne manche. Les os, ils percent son estomac et ensuite le boa, le gros serpent, il mord. Donc les serpents, l'intelligent, ils mangent pas de pétade. Et c'est pour ça qu'on trouve des pétades à côté des serpents, là-bas. Ah, c'est pour ça. Et par contre, un petit poule, là, vient pas à côté. Hein. Ben, là, il y a un poule. Ben, il mange le poule, il mange même un petit cochon, il mange tout. C'est pour ça, nous, on coupe la pintade de manière que le zoo, il ne blesse pas nous quand nous mange. Voilà. Voilà. Exactement. Ah non! Les poils. Non, pintade n'a pas la poêle, pintade n'a la plume. Hé, hey, Coco l'a dit, la poêle, pintade. Ils ont entendu la faire comme ça? Europe peut croire à la fin comme ça, il paraît que maladie, elle avait poils, des plumes sur la pintade, elle avait des poils, Coco, des poils comme ça. Est-ce que tu crois qu'il mange des poils de pintade? Coco, mais connais pas moi si pintade n'a poil. Non, mais d'après, ça couvre. Mais quand les petits là, c'est des poils, quand les gros, c'est des plumes. Ah, on l'a compris maintenant. Quand les petits, c'est les duvets. Ah, les duvets alors? C'est pas les poils, c'est les duvets. D'accord, alors, ouais. Et si on a bien compris ça que Corée vient de dire. C'est-à-dire que les hommes les plus couillons que serpent. Ah oui? Parce que les hommes les prend pintade. Ils mangent pintade. Mais on l'a compris, ils ne prend pas pintade aussi, nous. Hein? Il y a qu'un pintade aussi. Non, mais en fait, là, souvent, là, la pintade, là, les os, est tellement tranchant comme des lames de couteau, comme ça, hein. Et bien que si par exemple le serpent lui écrase, parce qu'il ne marche pas, il prend une dent, lui. Donc il écrase dans son estomac pour pouvoir digérer. Quand il écrase, ben, ses os deviennent comme des lames de rasoir et donc il perfore son estomac. Alors, voilà pourquoi les serpents, en général, et surtout à Madagascar, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de pintades en liberté à Madagascar, dans les forêts et tout ça. Déjà, la chair, elle est dure, et donc, du coup, les gens, ils mangent pas beaucoup les pintades, parce qu'il faut faire cuire, hein, les pintades. Hein. Et même les serpents, ils mangent pas de pintades. Mais les pintades, ils prolifèrent. Voilà. On a beaucoup de pintades maintenant à Madagascar. Mais les jolies pintades, surtout pour réveiller le matin, parce que c'est fait des autres, ça. Il fait plus des autres qu'un coq le matin. Un pintade. Le moins petit bruit, ça l'a entendu. Les pareils la folle. Pareils la folle. Les pintades pareils la folle. Voilà. Il dit souvent quand. Mais par contre, le pintade, c'est un bon gardien pour la cour aussi. Hein. Voilà, comme Zoa. Zoa, il fait des ordres aussi, mais s'il y a vieux. Mais pintade, même qu'il n'y a pas vieux, le moins petit bruit entendu, ben là. Elle cacaille, on ne sait pas quoi. Hey, François, tu as fait l'intéressant là. Elle dit pareil que des fois, des madames, là, quand ils cacaillent bon peu, là, ils perdent quoi, des pintades. Ben, dis ça, elle entend pintade. Oui. Ah bon, elle entend pintade. Ben. Hein? Elle entend l'entourage, elle entend l'entourage pintade. L'entourage pintade. Pintade. C'est vrai que les femmes ont fait des pintades. Et les hommes, où ça vous met alors? C'est que les femmes alors critiquent les femmes. Et Coco, parce qu'il n'y a que deux femmes là. C'est pour ça les hommes critiquent les femmes. Pourquoi elle dit rien? Quand je viens, je lui dis pourquoi arriver ici, sinon c'est 50 jours sur plein de sel. Oui, pourquoi je lui dis arriver? Voilà, mais là il prend son vin et après il met au lit dans la mamie.
Et ben voilà, moi je mène toujours avec mes découpé mon tartare, hein. Donc voilà, ouais, il avance bien. Hein. Regarde, donc il faut couper en petites lamelles comme ça, en petits cubes, en petites lamelles comme ça. Et après, après tout à l'heure on va assaisonner. Là, m'y mettre le feu pour faire sec l'eau dedans. Et après, t'as l'heure m'y mettre les épices dedans. Alors, hein, ok, il est bon. Hein? Lui, il est bon, entends-moi. Oui. Lui, attends, il y a. Lui, la paix sur off ou bien on, hein? Lui, la paix sur on ou bien off là, il est bon? Il est bon. Ah, Paul, ah lui, cause. Ben, ouais. Et non, mais ça c'était pour casser un petit peu les cuits avec lui de l'autre côté parce que qui est notre preneur de son en haut là-bas avec sa grande pH. Pareil, la pH, ça fait la pêche bonne, mais la même pêche fait 4 mètres là. Là hein. Et en plus, c'est fait, sa pêche est en titane, hein, donc elle n'est pas lourde du tout. Ouais. Sa pêche, et ben oui, ben, nous continuons un petit peu la cuisine parce que maintenant Marie a fini de mettre son. Oui, mais inquiète pas, elle a fini de mettre toute pétade là-bas pour faire revenir un petit peu. Moi, ma fille coupe les thons, hein, ma fille de mettre en petits cubes. Et là, ce que Missa fait, c'est que Missa prépare mes champignons parce que Missa fait un petit sauté de champignons avec de l'ail et du persil. Une persillade, quoi. Hein. Sel, poivre, ail, et puis après, persil dedans, puis de l'huile d'olive, bien entendu. Et Missa essaye de déglacer un petit peu avec un petit vin blanc sec. Sinon, là-bas, dans la petite cave, là-bas, là, parce que vous ne pouvez pas t'y garder. Si la pointe va déglacer, il y en a fait un peu plus dur, un peu plus costaud. Les bons aussi, hein? Ben, les champignons, là, hein, il y en a un peu de monde a tendance à croire qu'il faut couper ça. Hein? Voilà, nous coupe juste ça, mais nous, on lève pas le truc dedans, là. Hein? Ensuite, coupe-les en quatre, comme ça. En quatre. Hein? Et après, en quatre, mais recoupe en quatre, comme ça. Parce qu'en fait, si vous coupez les trop petits. Mais j'attends un petit peu de l'eau, là, j'ai tâté, là. Hein? Si vous coupez les trop petits morceaux. Ils fondent et deviennent crème de champignons après. Or, le but, c'est pas qu'ils deviennent crème de champignons, mais vraiment que c'est vraiment des champignons sautés à l'ail et au persil. Hein? Et là-dedans, pas de thym, hein? Seulement sel. Mais le sel, là, il faut toujours utiliser un petit peu de fleur de sel. Hein? Alors, fleur de sel, généralement, les gens, ils n'osent pas y utiliser parce qu'ils disent, ouais, fleur de sel, il coûte cher. Mais des fleurs de sel comme ça, ils montent pas la marque. Hein? Il coûte 4,50€ ce petite boîte-là, là, avec 4,50€ là, pendant 2 mois au moins, où travaille à lui, on a toujours pas souffert. La cuisine un peu plus souvent, deux mois et demi, il est dur. Hein? Alors, ce qui veut dire que ramener au jour, à chaque cuisine qu'on fait, c'est 0,10 centimes de sel que vous mettez dans un plat. Donc, il n'est pas si cher que ça d'utiliser des fleurs de sel. Mais par contre, au goût, il est complètement différent. Hein? Donc, c'est pour ça que moi, je utilise du fleurs de sel. Hein? Et puis, nous voyons un paquet de petits attaques qui est là depuis tout à l'heure. Tu vois les attaques là? C'est parce que ça, c'est des verres blancs. Ça, nous, là, en campagne ici, en campagne, les verres blancs commencent à arriver comme ça. Hein? Bon, je continue à couper mes champignons. Hein? Et puis après, nous nous retrouvons dans un petit instant. Hein? On est bon. Et puis, bien entendu, tout ça, comme il dit toujours, un bon cuisinier, il faut qu'il ait un couteau qui coupe bien. Moi, c'est Daniel qui repasse mon couteau ici, était là. Hein? Daniel, vous connaissez Daniel. Mais Daniel coupe, il repasse le couteau. Et qu'on coupe avec un couteau qui coupe bien comme ça, et bien forcément, et ben, c'est un plaisir de faire la cuisine comme ça. Hein? Voilà, ben, il est parti alors. Salut. Ça va? Bien. Bien. Oui, mais les pieds. Vous connaissez que ça nous mange à soir? Non, que ça nous mange. Patade. Miam, miam. On va se régaler. Hein. Bonsoir à toutes. Ça va? Donc, quand nous joignons, la fin commence à rougir. Là, ils mettent le live. Et là, on met le l'oignon sur le côté. Justement, de manière que l'oignon attend bien frite aussi. Bah ouais. Voilà. Parce que si vous mélangez dessus, hein, ben, l'oignon, il mélange avec toute la viande, il ne frite pas. Mais comment on dit l'oignon? Zoignon. Ah bon? Zoignon. On fait pareil, on dit l'oiseau, dit l'oiseau, moi. Hein, zoignon. 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 Ah non, créole, il dit zoignon. Zoignon, zoignon. Créole, dit yab. Yab. Ah non, moi, pas yab, moi. Ah, pas yab, alors, vous avez un conseil puissant. Yab. Non, mais les métissés, moi. Mais tu sais, elle n'était mal bas aussi, non? Si. Malba chinois. Tout ça alors. Ok. Donc non, je dois être bon. Ce soir, c'est surtout. C'est surtout ma salée. Regarde mon zé, pas comment mon zé n'est pas gant, c'est d'oïe. Tiens le chinois dedans. Ah ouais.
Non, parce que pas parce que la folie est blanche. Ah, ou la non, pas parce que la folie est blanche. Oh, regarde, Chauvelet doit dire, ah, ça c'est un yab. Non, le sang est mélangé. Ah, ça me semble tout un... De toutes les sangs est mélangé. Yab malba chinois. Et ça a du caractère, hein. Ah bon? Ah, t'en connais un rayon de oh, là, là, là. 15 ans que je suis avec elle, mais... C'est dur hein, au début. Hein. Il file droite, hein. Au début, c'est dur. Ah, comment il file? La médaille droite, là? À la baguette. Vous maniez la baguette? Ah oui. Ah, bon? Non, mais plaisante. Ah bon, alors. J'en ai fait des coups déjà depuis 15 ans. Ah, vous pas plein? Eh, si vous n'êtes pas découvert, et mangeant, dis-nous, tu plus avec, hein. On aurait été fini barré, ou sinon, à moi, on aurait été fini barré. Bah oui. On s'aime. Ah bah. En même temps. Tant non. Mieux. Vous vous aimez. Oh, ah, oui. La preuve. Bagarre. La preuve que le beau cadeau que m'a donné Ali. Le résultat de notre amour. Attends, notre amour m'a donné un joli petit oreille. Ouais. Non, on passe au vrai aimant. Comme ça, un oui. Joli petit italiano. On passe au vrai aimant. Italiano. Hé, votre fille, il aime pas plein d'idées oreilles. Non, non, elle m'a laissé un nid, donc pas les oreilles. Elle n'est pas née en métropole, elle est née à Saint-Denis. Ah. Jean-Claude, en plus, tu sais pourquoi, excusez-moi, tu sais pourquoi elle doit les plein oreilles. J'étais enceinte 9 mois de grossesse. Il me restait une semaine pour accoucher. J'ai pris l'avion en métropole. J'ai accouché à La Réunion. Ah bon? Ouais. Elle est née à Sainte-Clotilde. Voilà. Hein? Mais la gestation s'est faite en métropole. Voilà. Oui, bien hein? Sûr. Quand même. Hein? On ne dira pas où, on n'expliquera pas. Ça, c'est notre petit truc quand même. Ouais, ouais. Notre petite intimité. Dis-nous. Sur un parking de l'autoroute. Oh, c'est okay, dégueulasse! Si! Non, elle n'est pas dégueulasse, chérie! Je ferme, c'est pas qui l'auto! On était avec quand même, on vivait avec quand bah, même. Bien sûr. Mais les chelous! La route était chelou! Ouais, la... bizarre! La route était tellement longue là-bas en métropole, les autoroutes, il y a des kilomètres, des kilomètres. C'était tellement long. À un moment, elle a dit, on va s'arrêter, on va se reposer. Hein? Mais moi, j'ai pas pu. Assis à côté d'une belle petite créole, comme une belle petite réunionnaise. C'est là la fin. Même que j'étais dans la voiture. Écoute-moi, ferme aussi un parking l'auto. J'ai pas pu résister. Que ça l'a fait, elle a fait aussi un parking l'auto. Bon, mais là, son mari, il fait finir, hein. Oui, voilà. Un instant, on se remet les autres épices, hein. Non, François, il fait mieux, là. François, il fait mieux, allez, bon, là. Hein, François, aussi bien, là, hein. Notre secret est foutu, quoi. Un secret. On n'a plus de secret. Allez. Vraiment, il y a du l'ail, du sel et du gingembre. Donc, l'ail. L'ail, sel et gingembre, c'est tout. Là, nous mettons comme ça, là. Et après, je mets tout le temps dans un petit coin même. Ou... Ben non, parce que quand on mélange ensemble, et après, là, nous tournons tout ensemble. Ah, c'est pareil, ben là, t'as fait des tensions, tu vois. Voilà. Ah oui, bien rose, hein. Et comment ça avec le système de la couleur, les roses, là. Les roses, non, il n'y a pas le rose là-dedans, là. Il n'y a pas le rose, il n'y a pas bien, le rose. Non, mais à moi, dans mon langage, à moi, il est bien roussi. Bien roussi. Il n'y a pas rose, il n'y a pas rouge, il n'y a pas jaune, il n'y a pas rien, il est bien roussi. D'accord, alors. En tout cas, il a l'air bon, hein. Là, même pour qu'on finisse mettre tout le truc dedans, il a l'air bon. Et carottes. Ça c'est des légumes. Ah, du jardin, du jardin. Oui, du jardin, du jardin. Non, trahis pas moi. François, il fallait dire, moi, m'y arrive comme un cheveu sur la chute. Vous connaissez du jardin. C'est du jardin. C'est du jardin. Mais pas qu'un jardin, nous ne connaît pas. Mais forcément un jardin. Voilà. Hein? Forcément un jardin. C'est dans mon jardin. Dans le jardin. Voilà. Mais tant que le jardin n'est pas sucré, là, hein, n'est pas grave. Hein? On peut dire nous. Hein? Jardin bon Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu. Bon. Et donc là, vous faites comment? Vous le mettez sa fond dedans déjà, non? Non. Pas encore sa fond, hein? Non. Seulement de bonnes épices tout à l'heure. Voilà. Et puis l'art avec les légumes du jardin secret. Voilà. Voilà. Hein? Et jardin bon Dieu. Jardin bon Dieu. Voilà. Hein? Et donc c'est pas un tas aux légumes du jardin bon Dieu. Voilà. Voilà. Et mon avis, vous mettez le thym aussi dedans? Ben si. Voilà. Le thym mettons en dernier. Des oignons ou de bonnes sauces ou de bonnes l'ail écrasé avec. De sel, gingembre. Gingembre. Poivre aussi, on met un peu. On met poivre? C'était au début. Ah, au début alors. C'était au début. On met un petit peu de sel, poivre. Non, non. C'était au début, la première, on la pose dans ma main dessus le feu. On met poivre dedans? On met un petit peu de poivre de manière qu'on les lame tout son jus, ben, la viande y prend le goût poivre. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel, c'est tout. D'accord, alors. Et après, moi, c'est bien rougi. Après, moi, mettre les épices, les oignons, l'ail, gingembre, de sel, le thym. Voilà.
D'accord. Alors. Et après, avec les légumes. Avec les légumes. Ouais. Voilà. Mais pas de safran. Si. À la fin. À la fin. Oh, ouais. François, comme il dit, il parlait de safran, il court. Hein. Mais oui, mais comme ça, ça. C'est comme ça, ça. Pas de John. Pas de John, alors. C'est un pas de John. Pas de John. C'est un pas de John. Attends, il avait comment? Pas de garder un coup si dessous les jaunes battent. Hein. Non, les sales, mon pied. La pâte n'est pas jaune, elle est sale, les mains. Elle est jaune même. Les jaunes même. Les jaunes même comme volant. C'est bon? C'est cool. Hein? Bah, depuis tout à l'heure, on a fait un paquet d'affaires et moi, je n'ai pas fait grand chose. Alors, donc, moi, ce que Missa fait, là, c'est que Missa assaisonne mon tartare de thon. Voilà. Et pour assaisonner un tartare de thon, là, il n'est pas très compliqué. On a déjà fait beaucoup de choses. Vous mettez un paquet de trucs en dedans. Il n'est pas très bon parce que, après, ce que vous faites, c'est que vous perdez le goût de la viande, du thon. Donc, le but, c'est qu'on mange de la viande et qu'on a vraiment le goût de la viande du thon. Je ne sais pas si la chair de thon, pardon, hein, pas de la viande de thon. Hein. Merci François qui corrige à moi de l'autre côté là-bas. Hein. Alors, là-dedans, là, hein, un assaisonnement, c'est très simple. Hein. L'assaisonnement, il commence par du sel et du poivre. Hein. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il met du sel et du poivre. Donc, pour mettre du sel et du poivre, il met de la fleur de sel, que m'a pris tout à l'heure. Et m'a pourquoi débouche le boîte. Donc, du coup, il est un peu compliqué. Voilà. Voilà. La fleur de sel, est comme ça. Hein. Voilà, c'est exactement comme du sel, sauf que c'est la partie supérieure de la lame d'eau. Parce qu'on parle d'une lame d'eau hein, et qui reste au-dessus, on prend seulement ça. Et après, on laisse l'eau s'évaporer pour avoir le sel normal après. Donc ça, c'est de la fleur de sel. Hein. Donc, il faut assaisonner la fleur de sel. Parce qu'il y a Julie là-bas qui regarde là comme si ah, que... C'est où ça fait un tartare là, monsieur. Ouais, voilà, c'est moi qui ça fait un tartare. Hein. Et donc, dans ça là, il ne faut pas hésiter parce qu'il y a de la viande, de la chair pardon là-dedans. Hein. Donc... Un pas bon petit peu. De sel, là. Non, parce que en fait là, regarde là, hein, l'épaisseur. Voilà, on a beaucoup d'épaisseur. Hein. Mm-hmm. Donc dans un instant, tout ça. Le sel pénètre bien dedans. Hein. Un petit peu de poivre aussi. Hein. Et le poivre, moi, mais pas très poivre. Donc, je ne mets pas énormément de poivre. Hein. Mais après, c'est selon. Hein. Après, on peut rajouter pas mal de choses. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu des oignons. Mais là, les oignons, là, ce que je fais là, c'est que. Vous avez vu comment je fais aller, il crase aller comme ça. Et là, mien rose, elle dit comme ça dessus. Moi, comme ça, il n'y a pas de gros morceaux. Hein. Tout est des petits morceaux. Mais pas énormément aussi, hein, parce que nous, ça ne mange pas des oignons. Nous, ça mange un tartare. Hein, donc, un tartare avec de la chair de poisson. Hein. Et les champignons, c'est pour Les champignons, c'est pas maintenant. Champignons pour tout à l'heure. Les champignons, c'est seulement pour une petite fricassée de champignons. Il y a d'autres champignons. Donc, il devrait savoir voilà. Si tu mets Non, c'est pas. Là, ce que je vais mettre, là, c'est que là, on la prend de la coriandre. Et donc, mes coupes, allez. En petit truc comme tout créole il fait quand il coupe PSI pour mettre dessus un bon civet et tout ça hein. Voilà. Le but c'est d'avoir un bon couteau qui coupe et d'avoir un coup de doigt parce que non un coup de doigt parce que c'est le doigt qui pousse la lame là. Ouais. Voilà. Avec ça là hein. Avec ça. Maintenant ce que m'y fait c'est que m'y s'arrose. Non moi il faut de l'huile d'olive hein. Et ben moi maintenant un peu de l'isocate. Dans l'isocate on a l'huile d'olive aussi hein. Mais m'y aime pas trop l'huile d'olive hein. Franchement, hein, parce que pour l'huile d'olive, il faut être habitué ça, à ça. Moi, je ne suis pas trop habitué à l'huile d'olive. Même il y a un petit peu, il dit que l'huile d'olive a beaucoup de vertus. Mais là-dedans aussi, il y a quatre huiles. Hein, donc, il y a aussi de l'huile d'olive là-dedans. Et donc, du coup, il prend ça. Et puis voilà, il nous arrose ça comme ça dessus. Hein. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait un petit peu d'huile, mais pas beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas énormément de l'huile, hein, parce que nous ne mangeons pas de l'huile, hein, nous mangeons un tartare de poisson. Vous avez vu qu'ils mettent un petit peu comme ça, on a l'impression qu'ils mettent beaucoup, mais c'est parce que l'épaisseur, l'épais, hein, l'épaisseur de la chair à poisson. On a beaucoup de chair de poisson. On a beaucoup de chair à poisson. Voilà, en fonction du contenu. Voilà, hein, et là, cette malle oubliée, hein, mais rajoute à la fin, c'est un petit peu d'ail, mais pas beaucoup d'ail aussi, un petit peu. Et là, ça va aller dans ma machine. Ma machine magique. Tes machines là, au moins 5-6 ans, viens là. La machine hein? Et tout le temps, il marche, même la machine là. Hein? On a longtemps ça, mais tout le temps, il marche. Hein? Alors, ça, vous l'avez vu là, il fait ça comme un présentateur quand ils vendent des produits dessus, machin là. Hein? Ben, on a un petit micro, moi, pour le petit micro, hein? Mais sinon, il fait pareil. Hein? Et ben, voilà, ça, et comme ça. Hein? Maintenant, t'es bon pour vendre bon produit comme ça dans le marché forain, dans les fêtes foraines et tout ça, moi, peut-être. Hein? Hein, voilà, là, avec ça, un petit peu dedans comme ça, le tartare est presque prêt. Et là,
Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que mon maître l'avait été là. Mais me redis à ça, parce qu'au cas où on a envoyé moi un petit mail, un petit texto, un petit messenger pour dire moi comme ça. T'es Jean-Claude, voilà vous demain. Oui, ma lave mon main. Voilà mon main avant de venir. Parce que là, mon main, ça c'est à touiller. Parce que ça, c'est une affaire, il touille pas. Il touille, touiller, on dit ça touiller. Oui. Hein? Ben, mélanger. Pas ça, hein? Ça, non, mais nous, on fait ça comme ça, nous, regarde. Hop là, il faut pas aller trop loin. Hein? Mais tout, il y a dit comme ça. Pas beaucoup, hein? Juste ce qu'il faut. Hein? Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà, comme ça. Vous l'avez vu déjà la couleur, comment il est. Comment les gars. D'accord. Et là, on hein? rajoute encore un truc là-dedans, pas. Oui, parce que pour bien machin, il faut du citron. Le problème, c'est que le citron, s'il me met à aller tout de suite, la chair à poisson ne va pas devenir de la chair à canon, mais va devenir de la chair très blanche. Hein? Donc, le but, c'est que le poisson reste rouge. Et pour que lui reste rouge, il faut que nous rajoutions du citron. Donc, là, maintenant, du citron comme ça. Hein? Nous, on a pris du citron comme ça. Ouais. Mais l'idéal, c'est du citron galé. Donc, tu as un citron galé? Vous connaissez le citron galé? Oui. Hein, citron galé, c'est bon citron, bon gramme. On vient bien boire un petit peu de cet alcool. Whisky. Non, le rhum. Hein, et à boire avec modération, bien entendu. Hein. Donc, du coup, le citron va mettre après. Et là, mi goutte pour voir vraiment s'il y a un petit coup de sel. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Oula, filme mon cheville, oula. Filme mon cheville. Vous avez vu comment mon cheville il enfle? C'est parce que mon appel est bon. Hein. Mais bon, on a tout ce qu'il faut. On a quand même un petit peu de citron, mais elle est bon. Non, mais le citron après, à la fin. Et là, il est bon, il est parti. Et là, tout à l'heure, on s'en met ça dans des petits verrines. Comme ça. Et puis, nous mange avec une petite cuillère. Comme ça, avec un petit jus de citron dessus. Et là, si on a un bon pain fait par un bon boulanger, une petite baguette à l'ancienne. Oh, t'es, ça les gaillards, ça les gaillards. Mon noir, les meilleurs que. La chanson de Jean-Pierre Boyer. Ouais. Mais il y a qu'un bon morceau de Jean-Pierre Boyer. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Hein. Mais Jean-Pierre Boyer, son morceau n'est pas. Alors, allez avec nous, Jean-Pierre Boyer aussi. Anne Valley White. Allez, nous continuons aussi. À la faute. Ben, là, comme l'effet comme ça, là, même ce qu'il fait là, c'est pas tout de suite. Donc, ça m'attendait un petit peu au frais là-bas. Le plus joli. Et puis après, on va ressortir tout à l'heure. Tu es même mon doudou. Tu es même mon gâté. Faut pas aller trop chaud avec Olivier. Tu es même mon poulet. Où est mon zézé? Tu es même mon doudou. Tu es même mon gâté. Tu es même mon poulet. Où est mon zézé? Bon, et comme un bouquet de fleurs. Ou même il fait. Ah, où la trouve le couvert? Tu as ben, ma trouve le salité. Et monte à moi, ça y est maintenant. Ben, l'allié de Silo, mami. L'ami, ça va et découvre, allez, pour garder si. Voilà. Et après. Mais passe une petite cuillère comme ça, dedans, pour voir si. Tu es même mon gâté. Donc, c'est un carré le ton. Quel carré le ton? Pétard de légumes. Tu te fais sourire. Eh, il boit pas, mais. Non, à moi. Ah, François fait une boire pour les dimanches. Ah, Azote, t'es nous dans télé. Mais si, par contre, t'es mis sous le toit. Ah, vous êtes sous le toit. Voilà. Vous sous le toit. Moi, je suis sous le toit, dans le fait. Allez, bon, alors. Eh, hey, pétard, là, c'est pas bon pétard, il trouve Madagascar, il court partout, il est dur, là, ça. Ah, non. Ça, c'est pas un pétard. Pétard dans le sud. Dans l'entourage. Le sud sauvage. Pétard chez son voisin. Non, pas un tas de le voisin. Le sud sauvage. Le sud sauvage, alors, hein? Saint-Joseph. D'accord, alors, Saint-Joseph, hein? Et vous ne connaissez pas le monsieur, alors? Non, on ne connaît pas comme ça. Ah bon? Le parti de trapper, les trapper comme ça? Ben oui, c'est mais, un boucher. Mais, ah, d'accord, c'est un voilà. Boucher. Nous téléphone, nous disons comme ça, nous avons besoin de deux ou trois pintades, et les tuyaux, ils ne pouvaient pas quand on arrive les déjà. Hein? Et hein? Si c'était un charcutier, il aurait été pareil. Ben oui. Parce que, vous connaissez, il fut longtemps, moi, tu ne connais pas la différence entre un boucher et un charcutier. Un voie Marie, longtemps, on ne te connaît pas. Ah. Après, mal à lire un plaque dans le chemin. Oui, ma lire un plaque dans le chemin. Et quand ma lire le plaque dans le chemin, ma trouve bouché, ma vient un bœuf dessus. Ah mon Dieu. Elle déduit que c'était un mouni vent de bœuf. Donc il ne rentre pas dedans. Allez, waouh. C'est un charcutier mal bas. Après, ma trouve un autre qui était écrit charcutier, il avait un cochon dedans. Ma déduit que la dame est rentrée, mais seulement comme elle était la goutte. Ouais. Parce que comme elle avait la goutte, elle ne rentre pas. Mais cet Yvonne volaille, cet Yvonne volaille, comment il appelle la ligne? Un volailler peut-être. Un volailler. Un volailler. Un volailler. On a charcuté, on a bouché, mais cet Yvonne n'y est que volaille. Ben volailler. N'est pas de mon y mange. Et cet Yvonne cabri.
Un cabriolet. Un cabriolet. François. Bon, tu arrêtes de me bêter ça. Ou tu pètes, du cuit, mamie. Si, le nat, tu fais dessus. Hein? Ouais. Ah ouais, mais voilà. Ouais. Il ne faut pas mettre grand feu, il faut mettre petit feu. Il est bon alors. Voilà. Okay. Bon, mais attends, on a où avec pétard. Ah ben dans 5 minutes, il est bon. Il est bon. Après, moi, m'a fait mon sauté de champignons. Oui, voilà. Hein? À l'ail et au PSI. D'accord. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Alors, Julie. Oui. Marie finit. Bah oui, a fini. Fait cuit là. Marie, on l'a fini, fait cuit. Si, les bons, les bonbons enlèvent la maman. Ah, ben, feu. Les bonbons enlevés. Mmh. Là, les cuits, hein. Oui, les cuits, les bons. Là, on enlève la maman, tu le feu. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est la pétade aux petits légumes, Marie. Voilà, pétade aux légumes. Aux légumes de chez nous. Voilà. De bon Dieu. De bon Dieu. Ça, c'est au Kitty. Légumes du jardin, voilà. Franchement, coupé ce matin. Oui, voilà. Ce matin, ça tu veux. Maintenant, le feu est libre pour toi, Jean-Claude. D'accord, voilà. C'est bon. Ben, là, ça fait mon sauté de champignons à l'ail et au persil. Et pour ça, on a pris de l'ail. On va mettre dans ma petite machine magique, là. Hein. Et mettre tout de suite un petit peu de sel dedans. Et comme ça, la vie, toi-là, m'y cuisine avec. Aujourd'hui, exceptionnellement, avec de la fleur de sel parce que c'était une petite entrée comme ça. Un petit peu de poivre à l'intérieur. Hein. Voilà. Et m'y tourne deux coups. Mais comme je dis, m'y tourne deux coups parce que ça retourne après. Hein. Juste pour casser un petit peu l'ail à l'intérieur. Et là, ce que m'y fait, c'est que m'y récupère du PSI. Comme ça, que m'y coupe un petit peu comme ça avec un couteau qui coupe bien comme ça, mais en gros m'y coupe le PSI, hein, m'y coupe pas les trop fin, hein, et m'y rehaché grossièrement, voilà. Et là, ça m'y coupe comme ça. Et là, il faudrait peut-être que j'y arrête un petit coup, bien sinon d'autres continuer, mais ça je trappe un petit peu l'huile parce que nous les misés, elle n'a pas trop de l'huile. Si vous me sarrote de l'huile, tu connais le bon président la boire. Eh, pas bon de l'huile là. Président la boire l'huile. Pas d'huile pour moi. Viens. Et ben voilà, m'a retourné, hein, comme disait notre camarade Ignace, avec son dernier album bien sorti, hein, qui appelle Retourner. Ignace de Loyola. Ignace Salma. Ignace Salma. Là, il rajoute un petit peu de l'huile dedans. Hein. Voilà. Et pour que la sauce devienne un petit peu plus onctueuse, ce que m'y rajoute, des petits ou trois petits morceaux de champignons comme ça dedans. Hein? Onctueuse. Devient un petit peu plus mou, quoi. Hein? Voilà. Donne de la consistance à ta sauce. Voilà, je veux un petit peu de consistance. Hein? Et elle n'est pas finie. Parce que dans cette sauce-là, il y avait du sel, il y avait de l'ail, il y avait du poivre, il y avait du persil. Il y avait deux petits morceaux de champignons et m'y rajoute encore un petit peu d'oignon dedans. Hein? Il y avait deux. Pas beaucoup, hein? Juste pour la consistance. Ah. Magique ça, hein? Pas besoin de courant, pas besoin de cuire sur rien. Donc, voilà. Donc, m'y enlève, allez. Et ça, tu vois que ma sauce là, on essaie de mettre y dedans. Et donc. Là, il est comme assez onctueuse, là. Hein? Là. Tu vois, ail, sel, poivre, persil, un petit peu de champignons et un petit peu d'oignon dedans. Voilà. Bon, ben, un instant, et nous passons à la cuisson. D'accord? Ok. Allez, un instant. On se fait la salade alors? Oui. Un petit peu pour la tartare, le tartare. Voilà, décorer. Voilà, pour décorer. Donc je vais bien laver d'abord. D'accord, c'est bon. Julie, qu'est-ce que vous faites avec mon citron là? Il faut le citron pour pouvoir mettre sur le tartare pour ceux qui veulent. C'est suffisant là, non? Oui, suffisant. Ok, allez, bon alors. Et puis le citron, c'est juste à la fin pour. Oui, pour donner du goût, pour faire relever un petit peu l'intensité du. Voilà. Des épices dans le tartare. Comme je disais tout à l'heure, faut pas mettre avant parce que si vous mettez le citron avant, là, oui. la chair de poisson. On aura tendance à blanchir un petit peu. Voilà, exactement. Juste au dernier moment, et ça, à chacun de mettre son quantité de citron. Moi, il est mieux quand il est bien acidulé, en fait. Bon. Mais ça fait revenir les champignons un petit peu et puis rajouter ma sauce que m'a préparée là, mon petit mélange dedans. Tu nous rappelles ce qu'il y a dans ta sauce? Oh, pas quel truc, mais rappelle, dis-moi là. Attends, la mettre de l'ail. L'ail. Vous la mettre côté.
ail, sel, poivre, un petit peu de champignons pour avoir un petit peu une sauce un petit peu plus crémeuse, des oignons, du persil surtout. Et puis cotomili, cotomili aussi, il m'a mettre un petit peu de cotomili. Non, on m'a pas mettre cotomili parce que le cotomili c'était seulement dans le tartare là. Hein. Et là c'est pas le tartare là, là c'est seulement des champignons que je fais revenir comme ça à la poêle comme ça. Hein. Donc il rajoute un petit peu d'huile là-dedans. Hein. Il faut quand même y rajouter assez d'huile parce que. Paquet, là, oui, parce que. Non, parce que le champignon là, hein, c'est un truc là, hein, il est comme une éponge, dit. Hein, il aspire de l'huile. Hein, donc il met un petit peu plus. Et après là, hein, c'est de l'huile que les premiers champignons l'ont aspiré. Il va libérer ces huiles là pour les champignons qu'il m'a rajouté après. D'accord. Tu comprends? Ok. Mais il faut une bonne quantité de champignons pour. Inquiète pas! Comme ça. Un peu là. Mais il met un petit peu d'abord. Là. Et ces champignons là, hein, il va boire un petit peu, il va consommer un petit peu cette huile là. Et ensuite comme on rajoute les autres, ben, c'est cette huile là qu'il va libérer pour pouvoir huiler et faire frire les autres champignons. Hein. Là on va mettre tout dedans. Hein. Voilà. Et comme c'est un poêlé de champignons. Comme c'est un poêlé de champignons, ouais. J'espère que la manche n'est pas chaude, même si mes mal bas parce que vous connaissez bien pas ça faire les chauds moi. Donc après. Ça a bien fait quand même. Tu vois comment il sort là. On se remet ça un petit peu. Un petit peu de poivre. À 7h tardive, on est un peu fatigué. Hein? Voilà. Et un peu cotomili. Non, pas de cotomili là-dedans. Ça, tout là, faut bien mettre un peu dedans. Pas tout de suite. Comme il laisse encore le champignon revenir un petit peu parce que ma coupe est champignon quand même assez gros, hein, tu vois. Hein, il faut que le champignon cuise. Pourquoi le champignon est gros comme ça là? C'est parce qu'il est plus croquant quand il est gros. Ah. Et pour achever la cuisson des champignons, là, ce que ça fait, c'est que ça rajoute un petit peu de vin blanc dedans. Voilà. Et donc, là, le champignon va cuire avec ce vin blanc là. Ouais. Dans un petit instant, hein, dans très peu de temps, ouais. Il rajoute ma sauce. Mmh. Vous avez vu ma sauce là? Comment il est? Hein? Ça a l'air bon. Et la donne à cotomili. La pas cotomili. Ah, ils mettent pas cotomili de là. Non, ils mettent pas cotomili. C'est du PSI. Hein? C'est de l'ail, du PSI, du sel, du poivre et un petit oignon que va mettre dedans. Et puis après un petit peu de champignons déjà écrasé. Ouais. Donc voilà. Là, l'ail est bon. L'ail commence à devenir un petit peu plus. Là. Là, c'est rendre un petit peu son jus là. Hein. Alors, on a un peu de monde quand il voit le jus un peu noir du champignon là. Hein. Il n'aime pas trop ça. Ben, moi non plus. Hein. Donc, ce que je fais, c'est généralement, hors caméra, je jette un petit peu. Voilà. Personne n'a pas vu ça là. Personne n'a pas vu ça là. Personne n'a pas vu ça là. Vous en êtes sûr, personne n'a pas vu ça là. Ben. Non, parce que ce petit jus noir là, vous connaissez, il n'est pas très agréable en bouche. Hein. Voilà, donc maintenant, oui. La cuisson n'est pas mauvaise là. Donc là, il rajoute mon bon petit ingrédient magique là, mon petit épice que m'a fait dans mon petit machine magique là. D'accord. Voilà. Et là, il suffit seulement de mélanger et puis de laisser revenir bien. Alors, comment on voit? Ah, mais Marfine, goûtez Marfine, c'est délicieux. Délicieux? C'est délicieux. Voilà. Mais moi, j'aime bien qu'il y a aussi du cotomili parce que ça relève un petit peu le goût. Vous mettez pas cotomili en dedans? Mais si, vous mettez cotomili. On a un peu de moule, après, on peut rajouter un petit peu de crème fraîche pour agrémenter le truc. Mais nous, créoles, nous, on n'aime pas trop crème fraîche, donc là, ça va là. Hein? Là, on peut mettre la viande dedans, on peut mettre ce qu'on veut après. Hein? Mais là, en tout cas, là, ça va revenir un petit peu comme ouais. Ça. Et dès qu'il commence juste pas à croûter, mais l'eau est à l'intérieur, il s'évapore un petit peu. Après, il est bon. D'accord. L'inconvénient avec ça, c'est qu'il faut manger chaud. Ah, mais bien sûr. Parce que des champignons, quand on les froid, c'est pas bon. C'est pas, hein, bon. Pas bon du tout. Hein? Voilà. Donc là, tu couvres ou pas? On couvre pas. Hein? On c'est comme pas, un caribichique, ça. Pour que l'eau évapore plus facilement, il ne faut pas couvrir. Parce que si vous couvrez, là, hein, l'eau va monter, il va coller dessous la couverture, il fait de la condensation, ah, il va retomber dedans. Ouais.
on se met à chaud. On se met à chaud. Hein. Bah oui, il reste que deux feux comme ça. Donc là, c'est les cuits là, bien. Dans un petit instant, il est bon. Hein. Ok. Eh ben, avant de commencer, mais ça appelle un camarade à moi. Amon, viens, viens petit coup avec moi, parce que nous avons aussi le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous un grand monsieur ici à l'île de la Réunion, quelqu'un qui a fait quand même pas mal de choses pour notre si belle île de la Réunion, hein, avec une imprégnation des traces qu'on a laissées un petit peu partout qu'on a passé, tel le dinosaure. Ça laisse des traces dedans que nous retrouve après 500 000 ans. Après, 400 000 ans après, hein, et ben, ou par exemple, on laisse des traces ici à La Réunion. Avec, bien entendu, ce rapprochement avec le rugby. Parce que le rugby, c'est quoi ça? C'est une histoire d'amour ou bien c'était un coup de cœur, là, il va un coup, comme ça, là, il y a un temps, après, la fini? Alors, c'est une passion. C'est une passion. Il ne faut pas oublier que j'étais joueur depuis l'âge de. Un peu tard, à l'âge de 18 ans, parce que j'étais un footballeur à l'époque. Ah ouais. Depuis l'âge, comme tous les Réunionnais ici, depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, papa était footballeur, les frères étaient footballeurs, donc. Je suis allé à l'armée à 17 ans, 18 ans, donc je me suis retrouvé dans une piole avec des copains du sud-ouest. Donc, comme j'avais des crochets, j'étais rapide, donc j'ai marqué les essais et je trouvais que le rugbyman était un peu lourd. Donc, j'étais bon joueur. Donc, lorsque je suis revenu à La Réunion il y a 19 ans, 20 ans, donc j'ai joué au club ici, au Lions Club, et j'ai joué. Et donc, j'étais joueur, j'étais dirigeant, j'étais président de club, le 15 Dionysien que j'ai créé avec des copains. Ouais. Et récemment, depuis 16 ans, j'étais président du comité de rugby de La Réunion. Et non seulement j'étais aussi élu à la Fédération française de rugby, j'étais membre du comité directeur pendant 12 ans à la Fédération française. Ouais. Donc ce qui fait que ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, de rencontrer beaucoup de monde, et surtout ramener beaucoup de monde pour présenter mon île. Ici à La Réunion, les faire connaître, nos caries, nos plats, nos habitudes. Et ça, vraiment, c'est un grand plaisir pour un Réunionnais de faire connaître son île et d'avoir des relations avec toutes ces personnes décideurs de métropole. Ça, c'est vraiment fabuleux. D'accord. Et j'ai eu la chance aussi, j'ai eu l'occasion aussi de chanter Petit Feu Fané, des chansons créoles pour eux, dans toutes les soirées là-bas, pour la Réunion. D'accord. Alors, il paraît que le rugby, parce que ça, c'est vraiment ton truc, ça, le rugby n'est pas forcément juste un sport, c'est aussi un art de vivre. Mais c'est-à-dire que c'est un sport, c'est une discipline plutôt, sportive, où il y a beaucoup de valeurs, rempli de valeurs. Donc ce qui fait que tous les garçons, tous les filles qui pratiquent, parce que les filles aussi jouent au rugby, et donc il y a cet état d'esprit de solidarité, de convivialité et de plaisir qu'on les retrouve dans le goût de l'effort. Le goût de l'effort, on les retrouve dans le combat de la vie, de tous les jours, et on les retrouve où ils peuvent se démarquer dans la vie et réussir dans la vie de tous les jours, chose aujourd'hui qui n'est pas facile. Voilà. Et donc, on a le plaisir d'avoir quelqu'un avec nous qui connaît le rugby. Hein. Juste une question, une petite question, hein. Juste en deux mots. C'est quoi ce troisième mi-temps-là? Ben, la troisième mi-temps, ça rentre dans la convivialité. Parce qu'effectivement, dans tous les autres sports, discipline, où on fait du sport après l'effort, et hop, on prend la douche, et puis on prend notre sac, on rentre chez nous. Mais nous, non. Nous, il faut qu'on se retrouve entre nous, on en discute, on refait le match, on refait notre rencontre, et on chante chacun à des chansons rugby, chansons de soir, ou vraiment le plaisir qu'on a pour pouvoir s'exprimer ce qu'on a vécu, la convivialité et l'amitié. D'accord. Et tous les copains. D'accord. C'est ça la troisième mi-temps. Mmh. Okay. Ah, et puis aussi une imprégnation dans la vie professionnelle aussi. Hein? Oui, écoutez, moi je peux dire que vous avez devant vous un exemple. J'ai fait au départ un CAP de mécanique auto. J'étais chez Peugeot, j'étais chez Renault. Et puis après, bon, comme j'étais passionné pour l'anglais, donc on m'a proposé d'être agent de comptoir au niveau de la location de voiture qu'on a créée, que j'ai commencé créer moi-même avec mon président. On m'a fait confiance, les gens du rugby. Et j'étais agent de comptoir, j'étais responsable commercial, technique commerciale, directeur commercial. Et c'est là que Jean-Pierre Boyer qui est avec nous de l'autre côté. Jean-Pierre, viens nous rejoindre. J'étais directeur
commercial. Jean-Pierre Boyer, ton copain à toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on était en métropole, il y avait souvent la Réunion, donc à chaque fois, il y avait besoin de voiture pour se déplacer, pour les rencontrer, toutes ses copines et ses copains à la Réunion. Donc, il pouvait les voitures chez moi, les tourner. Donc, voilà. Ouais. Donc, ce qui fait que. Et ensuite, quel plaisir, j'ai terminé comme directeur général de ma société Europcar avec 520 voitures et 32 personnes. Donc, d'accord. Ce qui fait que je considère que j'ai bien réussi ma vie. Papa est content, maman est content. Papa, là-haut, était heureux. Maman est partie il y a 10 ans. Donc, nous sommes à 10 enfants et c'est mal année. 5 garçons, 5 filles. Et j'ai une fille qui est partie. Et donc, j'ai une famille heureuse, ça va. Aujourd'hui, j'ai trois enfants. Un grand qui travaille chez Orange, et un garçon, une fille, des jumeaux, de ce qu'on appelle couramment le choix du roi, 16-17 ans. Donc, ils préparent leur bac, et après, ils vont partir, là, c'est un souci encore, partir les faire réussir dans les études. D'accord. Alors, Jean-Pierre, toi et Armand, une grande histoire d'amour. Vous connaissez depuis longtemps. Oui, je connais ses nièces, ses neveux, je connais sa sœur qui était tête de l'air à Air France, en métropole. Son beau-frère, c'est un ami à moi, Patrick Goulan. Et puis, à l'époque, je chantais à Marseille, son beau-frère qui faisait des soirées, qui faisait venir, tout ça. Et c'est incroyable. Et là, je suis content que tu m'as invité. Quand tu m'as dit qu'Armand est là, je me dis, oh là là, ça fait longtemps, c'est pas vu. Ça fait longtemps. Très longtemps, parce que c'est vrai, mais quand je venais ici en tournée, la location de voiture me faisait un prix raisonnable. Et puis, j'avais la voiture de location, tu sais. Et sans savoir qu'un jour, que j'ai dit, ben, sa sœur, c'est ta sœur, j'ai Régine, mais oui. Mais elle me dit, ben, je connais bien parce qu'elle est mariée avec un copain à moi, tout ça. Et puis, l'amitié était plus profonde encore. Et puis, voilà, tout est là. Et puis, ben, sa nièce m'appelle de temps en temps Mégane. C'est Mégane, c'est ça Mégane, ça y est, d'ailleurs, sa sœur aussi a fait jumeaux-jumelles. Oui. Ah, c'est marrant, c'est la famille, ça. On est des noms. Hein. Voilà. Alors, Jean-Pierre, toi qui as vécu pendant 40 ans en métropole, et puis avant, avec ces années et venues, tout ça. Par contre, la cuisine créole, vous n'avez pas oublié ça, la cuisine créole. Okay. Hein. Là-bas, n'oublie pas ça, quand même. Vu que là-bas, c'était. Ils nous mettaient en l'air, tu vois, c'était le week-end, c'est que créole, la semaine, je mange oreille, le week-end, c'est créole, moi, c'était comme ça. Ce que je vous propose, là, tous les deux, là, c'est qu'on va aller passer à table, parce qu'il y a Marie qui nous a fait un super, je ne sais pas comment on appelle ça, un curry avec des légumes, mais pintade. Et puis moi, ma sorte un petit peu de la tradition créole aujourd'hui, parce qu'un tartare de thon, c'est pas forcément créole, mais quoique, ici, on vit sur une île. Et sur une île, il faut manger du poisson. Et comme mon père est marin pêcheur professionnel, donc on a vécu dans la mer, c'est pour ça que manger du poisson, c'est des choses qu'on sait faire. Après, je crois que sur le feu là-bas, Coco, peut-être il faut enlever les champignons sur le feu. Hein, parce que nous, quand on se là, le champignon est dans les yeux de feu. Le poisson est bon pour la mémoire. Ah oui, pour moi. J'espère. Parce que des fois, j'ai tendance à oublier les choses. Hein, parce que j'ai oublié le pain aujourd'hui. En allant faire les courses, j'ai oublié le pain. Alors, mais comme on dirait en bon malgache, Timanine. Comme ça, on dirait en malgache. C'est pas grave. Quoi ? Les bons ? On peut faire avec. Mais ok, on passe à table alors. Ah, bien sûr. C'est parti. Un plaisir. Mais bon, et puis Marie va nous expliquer un petit peu son carré qu'il a fait là. Mais quand c'est français Glee, moi, tu vas chanter, hein. 40 ans en France qu'il a réussi, mon objet, quand c'est français Glee. Tu vas chanter après ton erreur, j'ai pas le temps parce que. On est là, tout le monde est là pour ça. J'ai un TGV qui m'attend. T'as un TGV qui t'attend. Ok, mais nous retrouvons à table. Un petit coucou, ma chérie, qui me regarde, parce que ma moitié qui me regarde. Allez, coucou, ma chérie. C'est qui c'est. Depuis ça, le temps l'a passé, il reste plus que doux souvenirs. Quand j'y pense, mon cœur l'est brisé, tout ici-bas, comme ça, il doit finir. Depuis ça, le temps l'a passé, il reste plus que doux souvenirs. Quand j'y pense, mon cœur l'est brisé. Mais il ne veut plus arrêter. Jean-Pierre, c'est un concurrent. Des fleurs aimées. C'est pas d'ailleurs quoi de chant. Oui, j'ai donné les cours de chant à mon ami Armand. Ah bon ? Il chante bien maintenant. C'est l'amour. Bravo ! Ah ben,
Et demande lui qui est son professeur de chant. Ah d'accord. Jean-Pierre, c'est toi. Un petit bisou au passage. Hein? Bisous ma chérie. Je t'aime. T'as l'air amoureux, Jean-Pierre. Yeah. T'as l'air amoureux. Est-ce que ça va durer? Oui, pour la vie. Mais c'est une question. Mais bien sûr, va durer au thé. D'accord. Oui. C'est ce que je te souhaite, Jean-Pierre. D'ailleurs, j'ai une chanson qui... J'y crois, de nous l'année prochaine. Approche pas trop côté Jean-Pierre. Il est beau. Non, parce que Jean-Pierre, hein, j'ai vu qu'il y a une guitare. Hein. Non, mais Jean-Pierre, oui, non, mais c'est tout en, mais tout en amitié parce que Mal a connu Jean-Pierre fait un petit moment déjà. C'est bien un plaisir. Mais pour toujours un grand plaisir. Et je sais que tu es pour mon bonheur. Emile est content de savoir que Jean-Pierre, aujourd'hui, il est heureux dans sa vie, tout simplement. C'est l'essence. Je trouvais la femme de ma vie. Voilà. Et bon appétit sur ce. Ah, Jean-Pierre. Jean-Pierre, juste avant, hein, oui. On a envoyé le clip de Joël Lamonge, là, hein, oui. Piment.tv, Piment.tv. Oui. Alors, t'as vu le clip, tu es dedans, et toi avec Julie, tous les deux, encore. Ah oui, comme ça. Non, mais c'est très bien, merci d'avoir... ah oui, à Joël Lamonge, merci d'avoir pensé à nous, c'est gentil. Parce que il y a tellement d'artistes que t'as fait un choix, mais merci d'avoir mis moi et Julie. Merci Joël. Et merci à Joël Lamonge aussi d'avoir écrit ce petit morceau pour nous. Hein. Très gentil. C'est super sympa. Hein. Oui, et en plus, ce petit morceau, tu m'as dit, ça bouge bien. Ben oui, puis j'aime bien. Puis en plus, c'est un bon dallon à moi. Un petit coucou à Lamonge. Joël Lamonge, marche tout seul. Oui, marche tout seul. Merci. Bonsoir. Ça va te rire, frère. Il connaît pas, mais il a dit casse les boules de riz. Casse les boules de riz. Les boules, les boules de riz. Lui, ça va te rire, frère. Et Coco. Ah bon? Tu sais, là, ça va. Non, mais j'ai évité parce que sinon, il va plus être. Et la mettre où est la vécu bien tendre. La vécu bien tendre, pour où? Hein? Voilà. Ah, ben coucou, Francis. Il fait longtemps pour qu'on vient où? Et qu'on fait un coucou à Francis. Ah, Nancy aussi. Ah, Nancy aussi. Bisous à Zot 2. Et bisous à vous voir à Zot bientôt. Ok. Voilà. Merci de Madagascar. Tout à fait. Ok, alors. Voilà. Gros bisous à Zot. Donc, c'est un bon petit gars sérieux. Voilà, c'est un petit gars sérieux. Alors, d'accord. Ben bonjour. Un petit gars, un marmaille très important ici à la Réunion, hein, Francis. Ouais. Ah oui, oui, hein. Ah ben moi, grand chef d'entreprise. Ah, voilà. Et ben moi, bah, attends, si m'y fait Francis aussi là, m'y fait un bisou Calix et m'y fait aussi un bisou Vienna. Voilà. Parce que Vanessa sera fâchée sinon. Un gros bisou à Vienna, un gros bisou à Calix. Tous les Mauriciens. Ah, là, tout l'océan Indien, alors. Oui, un gros bigot à tous les Mauriciens. Je n'ai pas envie d'aller manger, Zot. Ah, bah oui, maman, c'est ça, on mange. Oui, oui, ben allez, allez, manger. Allez, bon appétit tout le monde. Alors Jean-Pierre, comment tu trouves la pintade? Bon, hein. Délicieux. Ouais. Ah, j'aime bien les légumes. Merci. Bravo. Bravo. Délicieux. D'accord. Et tu es essayé avec... J'aime bien les légumes. Les champignons. Ah, je vais goûter les champignons parce que c'est quoi? Je vais goûter parce que Ah, moi tu as goûté avec les champignons déjà? Ah oui, très bien. Très bien? Ah oui, oui, excellent. C'est un manger créole? Excellent, c'est créole, c'est un sauté à l'ail... épicé et parfait. Voilà. Très très bien. Ok, alors. Comme tu vas boire une petite pintade de temps en temps, ça fait du bien. Ouais. Ah, ou. Hein, ou connaît, va boire. Daniel. Va boire, dit, hein. Salut Daniel. Petite pintade, hein. L'histoire de la petite pintade, c'est une grande histoire, hein. Ah bon? Hein? Ben là, François, elle connaît l'histoire de la petite pintade. François, on connaît l'histoire de la pintade de Daniel va boire, ou? C'est pareil, oui. Hein? Mais depuis tout à l'heure, me dit, au 10 août, tout à l'heure, on racontait une histoire de serpent qui mangeait pas de pintade. Mais disait donc que c'est à Pont les moins couillons que les hommes. Ah bon? Parce que les hommes mangent la petite pintade. Voilà. La petite pintade, mais il y a la petite poule. Donc le goût il change. Ah. Eh, la pintade ouais, meilleure que la goutte. Hein? Bon. Ok. C'est bon? Non, le goût il change forcément. Nous va voir, Daniel, ça mange une pintade. Bon alors, ok. Alors. Et fais un petit coucou à Daniel alors. Ah Daniel, oui Daniel. Ben nous pense à où nous mange pintade. D'accord. Et t'as l'air d'un rodé un gomme. Bon d'accord. C'est bon. Ah, pour que tu content pour ton champion. Ah oui, mais t'es content, rencontre Ali. Ton Tommy Wally dans la télé, présente son petit CD, plein de trucs et tout, mais là ce soir, ma veillant chez Yonos. D'accord. Mais il est encore là alors. Alors Jean-Pierre, merci.
merci d'être là ce soir, là, parce qu'on a fait des heureux. Merci pour ce soir. Le repas de Marie était très délicieux, m'a beaucoup apprécié. Merci de m'avoir invité, parce que mon ami Armand était là aussi, Armand Coupou. Bon, mais les litchis de moi, j'ai pas gagné beaucoup de litchis. Ah, mais là, beaucoup de litchis, t'as les... J'ai goûté quand même grâce à mon premier litchis, j'ai toi. D'accord, là, ok. C'est un gros problème, ça, cette année. Ouais. L'année prochaine, il y aura plus. Il y aura plus l'année prochaine. Bon, mais Jean-Claude, merci encore, gros big up. Bonne route alors, hein. TV Piment. Et puis à bientôt. Et à bientôt pour Canal Austral. Oui, oui. Tiens. Voilà. Et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Hein. Merci, ok. Allez, Jean-Pierre. Voilà. Allez, bonne route. Merci, Armand. Bonne route aussi. Allez, à bientôt. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.